Jésus-Christ n'a pas changé. Il est vivant. Il guérit aujourd'hui. Les malades sont guéris. Les aveugles voient. Les sourds entendent. Les paralytiques marchent. La bonne nouvelle du royaume est annoncée. La sœur Ndolo Bakita, oui. Elle a dit qu'elle est musulmane. Oui. Alléluia. Oh. Alléluia. Jésus-Christ. Il est Seigneur. Merci Seigneur. Oui. Elle a souffert d'arthrose pendant 2 ans. Elle dit tous les jours, elle a des douleurs. Tous les jours, notre sœur, pendant 2 ans, elle a souffert de l'arthrose. C'est une maladie terrible des os. Qui fait très mal aux os. Ouais. Hier, elle était ici. Elle a dit rien ne s'est passé. Aujourd'hui, en venant, elle avait de fortes douleurs. Mais elle a cru que Jésus-Christ pouvait la guérir. Alléluia. Alléluia. Elle a dit pendant la prière, toutes ses douleurs sont parties. Elle est complètement libre. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Vous avez là une leçon de persévérance. Hier, rien ne s'est passé pour elle. Mais elle n'a pas lâché. Hein. Elle a dit, je vais. Comme la femme cananéenne. Elle a dit, je vais encore. Je vais essayer encore. Elle a cru. Voilà les résultats. Elle est guérie. Tu avais un mot à dire? Je suis musulman. Oui. C'est ma mère qui est chrétienne. Man Julit là, c'est ma mère qui est chrétienne. Je remercie Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Sois béni. Sois béni. Que le Seigneur que je sers oriente ton âme pour la vie éternelle en Christ. Sois béni. Qu'aucun démon, qu'aucun esprit mauvais ne te détourne de la foi chrétienne. Au nom de Jésus, sois béni.